Quand même, maintenant, les ghasts, ils vont plus me faire chier. S'il y en a un qui m'emmerde, je le tue. Voilà, c'est dit. Soul sand, soul sand, soul sand, soul sand, soul sand. J'ai ramassé un champignon, je m'en tape du champi. Ça laisse un gros trou dans la soul sand, je m'en moque. Je vais en prendre deux stacks. Ça fera des petites réserves. Je l'ai entendu. C'est difficile de pas entendre un ghast, remarque. Voilà. J'en ai deux stacks. Je vais juste vérifier là en bas si le drop a effectivement été détruit. Ouais, il semblerait. Ah, il reste bien une bille d'expérience ici, mais le reste a l'air d'être tombé dans la lave. C'est bien dommage, il me semble qu'une lampe de ghast était tombée. Ah, la poudre à canon? Ah! Peut-être tombée par là plutôt. Non? Non, peut-être pas. Hein. Une lampe de ghast, ça aurait été un peu plus intéressant. Parce que j'en aurais besoin de lampe de ghast. Si je veux pouvoir faire tout ce que je veux faire. Petit truc. Voilà. Je suis un peu plus rassuré maintenant. Oui, ben notre pompe, je suppose qu'elle s'en sort très bien. Hein, elle a pas besoin de notre aide. Oh, c'est là que se trouve le ghast, d'accord. Ok. Bon, là par contre, c'est sûr, le drop est détruit. Hein. Puis notre pompe s'en sort très bien. Il a une épée enchantée, celui-là. Wow. Mais on va pas le taper parce qu'ils sont nombreux à côté. J'ai cru voir un cube de magma. Ah ouais, il y en a un. Bonjour. À la main, moi je tape les cubes de lave. Oh. Mais bon, ça pas trop net. Oh, waouh! Regardez la distance. Dans tout un rayon autour. Regardez dans la lave. Il y a. Waouh! Ça, c'est l'effet de la pompe. Très clairement. Wow, c'est beau. Ah ben oui, ça prend en compte une zone beaucoup plus large que le chunk qui continue de charger, hein. Enfin, qui est paramétré dans le machin. Tant mieux, remarque, tant mieux, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Le gars, t'as un peu pété mes escaliers, par contre. Top TP. Bon bah ok, donc j'ai la Soul Sand. Maintenant il va falloir que je fasse... Lag, pas lag, lag, pas lag, pas lag! Ouh, super! Pas de lag. Donc... Maintenant... Ça. Déjà. Ensuite, use. Faut que j'en fasse quoi de ça? Non, je m'en fous. Non, smelting. Faut que j'en fasse fondre. Faut que j'en fasse fondre. Alors, il m'en faut combien pour faire la Soul Forge? Il me faut une essence corrompue, donc il faut que j'en fasse fondre qu'un. Ensuite, par contre, il va me falloir une épée particulière.
savoir. Voilà, la Vile Sword. Il faut deux lingots corrompus. D'accord. Et donc, il va me falloir des essences corrompues supplémentaires. Ben, je vais m'en faire un tout petit stock. Voilà, je vais m'en faire 16. Je vais m'en faire 16. Alors, il me faut aussi de la glowstone, je crois, pour en faire de la Vile Dust. Oh! Eh ben, ça se confirme. Merci pour ce conseil de la porte. Apparemment, il peut pas attaquer la porte. C'est très sympathique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette astuce. Alors, il va me falloir de la glow. Il va falloir quoi d'autre? Oups. Hop, il va falloir de l'or, d'accord. Et là, Soulforge qui elle, pardon, se fait avec de la pierre lisse et 5 d'obsidienne. Opsi. Opsi. Il me manque une pierre lisse. Et il me manque surtout de l'obsidienne. C'est pas un problème. Voilà, je l'ai mon obsidienne. Alors, juste une pierre lisse. Oh, c'est bien. Eh ben, on va la prendre d'ici. Parfait, parfait. Une pierre lisse. 5 obsidiennes et j'ai le matos pour en faire qu'une seule. Oh, malin! J'ai malin! Ah! Ce serait con de pas s'en servir, hein, avouez. Bon! 4 UU. Ah bah tiens. 1, 2, 3, 4. Paf! Je l'ai, mon obsidienne. 2, 3 et 4. Bam! Voilà. Et dans le principe, vu que je l'ai sorti. Bam! Voilà. Alors maintenant. De toute façon, toutes les vailles d'ost, je vais m'en servir en essence corrompue. Oui, puis ça sert qu'à ça. Paf, allez hop. Hop, 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 hop. Toc, 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 toc. Soul Forge. Forge des âmes. Je vais me la mettre là-haut. De ce côté-là. Voilà. Soul Forge, très bien. Me faut maintenant de l'or. Deux lingots d'or et un diamant. Alors, deux lingots d'or pour faire des métaux corrompus. Et par contre, la conversion du diamant, elle est beaucoup, beaucoup plus lente. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas. Ce serait intéressant, ça. Ce serait intéressant. Mettre deux autres parce que là je peux faire une épée, oui, mais l'épée c'est un enchantement en fait qu'elle a, un enchantement de base. Non, ce serait étonnant quand même en mélangeant deux, ça combine l'enchantement. Quand j'y pense, après un minimum de réflexion, il me semble que l'enchantement est pas visible. Je me trompe peut-être, hein. Bâton, bâton. Bâton, on va chercher longtemps les bâtons. Voilà, paf. Alors maintenant, on met ça, on fait ça. Et là, il en faut un paquet et c'est très 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 long.
C'est vraiment très long. Je sais plus combien de temps ça dure. Il me semble que ça dure plus de 10 minutes pour convertir un diamant en fragment d'âme. Vous voyez, en tout cas, ça consomme. Vraiment, je sais plus combien il faut d'essence corrompue. Si j'en ai pas assez, ça va foirer. Je vais voir ça tout de suite. Je reviens. Ouais, donc oui, bon, il n'y a pas de souci, hein. Il faut juste 8 essences corrompues pour convertir un diamant. Donc, vous voyez, par contre, c'est très lent. C'est très lent. Mais bon, ça passe, ça passe. Alors. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On voit pas ça en tant qu'enchantement. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt de faire. Ça sert qu'à faire une épée, ça? Ça sert à rien d'autre? Ça sert à rien d'autre. Ça peut se récupérer en enchantement sur cette épée d'ailleurs. Bah d'ailleurs, ça augmente le niveau, le nombre d'âmes qu'elle peut récupérer. D'ailleurs, Soul Sand, Soul Sand, Soul Sand, Soul Sand. Voilà! On n'en cause plus, j'en ai plein. Il était temps. Il était temps. J'ai dû faire. J'ai dû faire. Y a pas de bâton ici normalement. Mais là, le bâton. L'épée, pour l'instant, je la garde. Donc, tant que j'ai pas le cristal d'âme, ça sert à rien un peu que j'aille à la chasse au cochon. Ce que je peux faire, par contre, c'est préparer le terrain. C'est préparer le terrain. Je vais la faire où? Je pense que je vais la faire par là. Ouais, je vais la faire par là, tiens. Si tu veux. Voilà, on allonge un petit peu comme ça. Je vais quand même récupérer ça, parce qu'il n'y a pas de raison. Hop, et puis là derrière, d'ailleurs on va péter ce mur-là. On va péter ce mur-là. Bon, je réfléchis, je réfléchis. Le spawner que je vais créer, parce que là, l'objectif de la Soul Forge, c'est de créer un spawner, hein, en l'occurrence un spawner de cochon. Je vais la placer dans le coin là-bas. C'est une zone 5x5 qui est utilisée par le grinder. Donc à la limite, là, un bloc, là, ce sera du mur. Un petit mur à la noix, hein. Je mettrai du verre, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc 1, 2. Alors 5 inclus. Ce sera incrusté dans le mur. 1, 2, 3. Ouais. Donc là aussi, ça va faire mur ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que... Oh, c'est du gravier. C'est du gravier. Du gravier. Du gravier. Du gravier. 5. Deux, trois, quatre, cinq. Ouais. Il va falloir se débarrasser de tout ce gravier. Oh mon Dieu. Enfin, de tout ce gravier, seulement jusqu'à cette ligne-là. 1, 2, 3, 4, encore une. 5. Voilà, très bien.
Ah, bah c'est que de la terre. Oh, ça va. Hop, 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 hop. Voilà. On va aplanir le plafond. Alors, attends voir. On va délimiter la zone d'action. 1, 2, 3, 4, 5. Limite ici OZEF 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout ça, c'est la zone qui va être vidée régulièrement par la machine qui va tuer les cochons. Sachant qu'elle sera placée là au milieu, ici. Là, je vais agrandir le couloir jusqu'au bout, quitte à faire. Donc là, cette grande zone, la limite, bah oui, OZEF, hein. Non, pas en terre. La terre, pour l'instant, on va la garder. On va essayer de développer de l'herbe à l'intérieur de l'enclos. Parce que les cochons ont besoin d'herbe pour spawner. Et on dit combien de hauteur? 3, ça suffira. Hop. Sachant que ce mur-là aussi va être bouché, quoi. Ça sert à rien de garder le mur. Le mur lui-même. Voilà. Donc le spawner, je pense le mettre là. Le plus loin possible des zones vides. Comme ça spawnera des cochons éventuellement dans une grotte derrière. Ce que j'imagine mal. Ce que j'imagine mal. Ça les forcera à spawner dans cette zone, quoi. Vu qu'ils ne pourront pas spawner dans le mur. Juste 3 de hauteur. Et quand ils spawneront, eh ben, y a une machine qui va, elle, s'occuper de les tuer automatiquement. Et qui sortira leur viande dans un coffre auquel je l'aurai relié. Donc il restera juste à la cuire. Aïe! À la limite, je dis nappe, là, je divague, hein, c'est juste une théorie. Et relié à un nouveau four électrique qui serait rajouté. Pas une bonne idée, ça. Faut empêcher les monstres de spawner là-haut. Éventuellement le relier à un four électrique qui disposerait de sa propre petite source d'énergie. Parce que le four électrique, il a besoin de quoi? Ouais, 32 particules. Ouais, non, il pourrait être relié quand même au reste. Pour la cuire automatiquement. Cuire automatiquement la viande. Ça pourrait. Avec un ou deux overclockers éventuellement. Du relier à ce four-là, non, ce serait trop contraignant. Donc, à voir, à voir, à voir, à voir. En soi, là, celle-là. Bien sûr, ça, ce mur-là, il va falloir le rehausser pour éviter que les cochons s'enfuient. Bien sûr. Par contre, comme source d'énergie, ouais, je pense. Parce que la machine aussi, en elle-même, elle doit être reliée à une source d'énergie. Est-ce que j'y relie à ça? Directement. Passons par là. Ça peut, oui. Ça peut. Là en dessous, passant par en dessous. Ouais. On va voir dans le détail. Est-ce que ça progresse? Ah, mais c'est bientôt fini! C'est très bien. C'est très bien, mais d'ailleurs, ça, je vais le. On va finir tout de suite. Hop.
Ouais, je vais pas m'en servir de ça pour l'instant. Vingt tout de même, hein. 21, 22. Ça s'accumule un peu quand même, hein. Mais bon, c'est pas... Oui, ça dépend, ça dépend. C'est une chance sur 8, hein, c'est un peu aléatoire. Non, mais ça va, ça va. 64 et 4, très bien. Je suis en train de voir où est-ce que je pourrais passer le câble. Par en haut? Cette hauteur-là? Pac! Descendre à la verticale? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis le tuyau, le toyau. Le toyau, le mettre par là. À la limite, mettre directement un coffre ici. De toute façon, il va me falloir. Ah oui, il va me falloir un tuyau, de toute façon. Pour y relier à. Ah ouais, merde. Pour y relier. Ah, des réserves, des stockages fluides pour récupérer l'expérience. L'expérience sous forme liquide. Je pourrais pas m'en servir directement. Mais je peux au moins l'emmagasiner pour l'instant. Ça serait intéressant. J'ai pas de torche sur moi ou équivalent, bien sûr. Regarde, cette torche-là. Je la fous là. Celle-là, je la récupère. Hop, 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 hop. Parce que là... 1, 2, 3... Autrement, je peux essayer de mettre la machine ici. Non, c'est un peu casse-pied de la mettre là. Non, 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 je vais bien la mettre là. Le coffre lui-même pour la bouffe, je le mets à côté. Au pire, je récupérerai de la viande crue. Je récupérerai un paquet que je ferai cuire juste après. C'est pas un souci. Ouais, mais ce qui est un peu plus gênant, c'est les réserves de fluide. Là, ça va être des tuyaux étanches. Des tuyaux étanches. Je réfléchis, hein, je réfléchis au positionnement que je pourrais faire. Si là je mets les tuyaux étanches de ce côté-là. Là je vais faire monter. Ah putain, je me casse la tête. 2, 3, 4. Ça ferait déjà de grosses réserves. Ça tiendrait déjà un bon moment. Ouais. Bon, on va faire des réserves à fluide, squelette. Bon, tout à l'heure c'était un zombie, maintenant c'est un squelette. Il va me falloir de ça, il va me falloir... À la limite. Il va m'en falloir plus. Ah ben j'ai de la cobble sur moi, c'est... J'ai pas besoin d'aller très loin. Non, 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 c'est pas lui, c'est lui qu'il faut arrêter. Ouais, là, il l'a fait entièrement. Hop. D'ailleurs, si, top. On va se refaire des stocks de verre. Non, peut-être pas autant. faut pas déconner. Ce qu'il va me falloir
des réserves. D'ailleurs, les toyaux. Les toyaux étanches. Il y en a 4. Est-ce que 4 ça suffit ou est-ce qu'il faut que je remassacre des cactus? Que cette fois je pioche plutôt dans mes réserves.